Ce pénalty d'Olivier Giroud a réussi à redresser la barre. Alors ils doivent fêter ce bon point du match nul. On va dire que... On a eu des occasions, Nantes a eu aussi des occasions en contre, donc finalement on termine par un match nul, c'est bien. On attend toujours beaucoup du public, bien sûr. Je souhaite qu'ils réagissent encore plus, bien sûr. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient là souvent. Voilà, voir des tribunes comme ça pleines, c'est quand même autre chose que de voir un stade à demi plein ou à demi vide, quoi. Donc, le contexte du match est quand même différent. C'était sympa ce soir. Il y avait quand même une bonne ambiance et tout. Donc, que le public réagisse beaucoup ou un petit peu moins et tout, bon, c'est pas très grave, pourvu qu'il soit là. Le pénalty à commenter, c'était de... Ça a duré combien, 3 minutes avant qu'il tire ? 3 minutes. Oui. En radio, c'est très bon. Je voudrais voir les arrêts de jeu. Ouais. Ah, il y en a plus que ça. Ça, c'est pas normal. Ça, t'as 4 minutes, il suffit au bout de... Et c'est logique. Je pense qu'elle a apporté ce qu'il s'est fait. C'est encore loin. Je pense qu'on est bien parti. Après... je dirais une intersaison qui n'a pas été facile, mais on est sur la bonne voie. Je crois que oui, parce que le jeu s'améliore, les résultats sont là. Les joueurs sont dans un état d'esprit qui est exemplaire. Ils se battent, ils sont solidaires, ils souffrent ensemble, ils jouent ensemble et ils veulent y aller. Ouais, ils ont bien poussé, mais ils n'ont pas eu des occasions franches comme on a eu en première mi-temps. Ils ont poussé, mais bon, je dirais que ça a été une domination. Ils ont dominé d'une manière un peu territoriale, mais quand on regarde la première mi-temps, moi j'en ai eu vraiment deux grosses occasions, des occasions franches. Donc si on regarde bien, on a eu les occasions les plus franches. Il faut continuer ce parcours-là en essayant de bonifier et en essayant d'aller chercher notre première victoire à l'extérieur. Je vous remercie, Julien. C'est un petit cadeau, voilà. Là, je voulais remercier tous les gens qui ont passé à ma petite. Et ça m'a vraiment touché. Et je remercie vraiment tous les gens qui ont passé à la petite. Merci bien. Et aujourd'hui, tu reçois un cadeau en sortant du stade. Ouais, je reçois un cadeau de Jean-Louis et Claudette. C'est des figures emblématiques du club, des bénévoles. Et je les remercie bien parce qu'ils ont pensé à la petite et ça me fait chaud au cœur.